Bon, sous ce soleil radieux de fin de journée, il doit être 18h30, un truc comme ça. 18h56 en vrai. Donc Baptiste, on a décidé d'aller shooter deux trois plans en drone. Donc là, on est... j'ai assommé un peu la tronche. Et en fait, on est sur la nouvelle ligne de Versailles. Là, il n'y a qu'une seule ligne de jump. Et c'est vraiment très full speed. Je crois qu'on doit atteindre les 40 km/h sur la ligne. Dégommé, hein, clairement. Je vais mettre Strava pour voir la vitesse à laquelle on arrive. Mais je pense qu'on arrive à la limite du maximum de speed du step down de Bizet, de l'ancien step down en fait qui a été détruit. Du coup, bah voilà. Casque intégral, j'ai la dorsale. On va préparer la GoPro avec ça. Ouais, je vais mettre ça là-dedans. Et Baptiste, du coup, il a préparé son drone. Il y a des batteries, il y a même un chargeur sur place. Laisse tomber, c'est une dinguerie, hein. Il y a tout. Et donc ça, tu mettras ta future GoPro customisable, quoi. Ouais, en fait, c'est genre, tu démontes la GoPro, du coup, elle pèse rien du tout. Ouais. Et là, t'as un sacré poids, et pour piloter, c'est moins confortable. Et l'idée, c'est de virer la coque, etc., la batterie. Donc là, ça puisera uniquement sur la batterie du drone. Et c'est, c'est une 8 que t'auras là? Ouais. Ok. Fuck. Ça va être un truc super léger, super maniable, super agile, enfin, laisse tomber. Désolé, Covid. Ah, là, je vois tellement mieux. Lunettes de soleil. Alors, par contre, là, je me suis assis par terre, allongé par terre. J'ai des épines dans le cul, maintenant. Ah. Faut mettre des renforts sur le cul. Relief. Après le rolling, pour atterrir ici, on a la grosse... L'une des plus grosses doubles. Bah, si on va droit, le kick, il doit être là. Or, le kick, il est là, et là, c'est peut-être encore derrière. Donc, au final, il faut tourner tout ici pour boum être dans l'axe. En fait, il faut prendre le kick sur la partie gauche pour revenir en l'air sur l'axe. Bref, Alex, t'es trop fort. Et donc là, bah, c'est le roller juste avant le kick. En fait, bah, il faut arriver là. Donc il y a quand même une petite distance, mais ça c'est bien. C'est que, en fait, si vous voulez, la souche elle est vraiment juste cette partie-là, vraiment au centre du truc. Donc, quand on veut s'axer par rapport au kick. En fait, on roule sur la souche. Parce que moi, clairement, avec le 29, en fait, si je viens pas pousser derrière le roller, en fait, je saute et j'atterris dans le kick. Pour après, avec les suspensions, re-sauter derrière pour sauter. Du coup, le road gap, qui est quand même... C'est pas technique comme saut, mais il y a une sacrée distance quand même. Ça fait un... Quoi ? Ouais, ça marche. Ok. Bon, le petit frère est prêt. Il va s'échauffer. Moi, je vais m'échauffer. Bah, peut-être sur l'unique ligne. Non, je vais peut-être aller faire un tour sur l'autre ligne que je vais vous montrer là tout de suite. Et let's go, on va enchaîner tout ça. Bon, ici avant, c'était la piste d'élan pour la fameuse ligne de Bizet. Sauf que bah, l'ONF est passé par là. Et comme vous le voyez, c'est Nora. Je suis un peu froid. Je suis histoire de choper un peu les genoux. Ça chill. Yep. Wow, ça drift. Hop. Ok. Wow, ça drift un petit peu. C'est bien sec, hein. Il y a le tranquillou. On laisse couler. On pousse. Ouh. Ouais. Freinage d'urgence. Non, mais ça y va, hein. Ça y va. Je pense que je pourrais peut-être aller un chouet plus vite. Mieux arrondir mon truc. Pour être mieux dans la récep. Boum. Quand tu fais ce whoops, il faut vraiment que tu soulages à fond l'avant pour le mettre et le caler le plus tôt possible dans la récep du roller. Et être parfait pour ce jump. Si ta roue avant décolle trop, t'étais super tard ici, c'est mort. We'll be right back.
on s'arrête sur ce magnifique soleil couchant avec le gros soleil rouge en face. C'est canon. Bon allez, je vous laisse sur cette fin de vidéo. Coucher de soleil à la Roi Lion. Sur les bisounours. Allez, bisous et n'oubliez pas de mettre un petit commentaire, un petit like et de partager la vidéo. Allez, ciao ciao.